pectorales. Les femmes sont vouées à être des électrices, et les hommes à être des élus. Et comme on le sait, il y a beaucoup plus d'électeurs que d'élus, même que d'éligibles. Donc là, on retrouve l'anthropolinguistique, c'est-à-dire le passage du féminin au masculin passe par l'abréviation. On raccourcit les mots, que ce soit pour le passage du féminin au masculin ou du pluriel au singulier. Pluriel étant justement, en l'occurrence, féminin, comme le corps électoral est plus large que le corps des députés ou des délégués. Donc, le féminin est dans le quantitatif et le masculin est dans le qualitatif.